On se rend le boulot, je t'adore. Mais à chaque fois, il fait que m'inviter les journées compliquées. La fin, c'était le 11 septembre. Aujourd'hui, on vient d'enterrer monsieur Jacques Chirac. Force à vous, la famille Chirac. Bref, il est né le 29 novembre, comme moi. Je sais pas si c'est un signe, mais bon. T'imagines, hein, Valéry Giscard d'Estaing, il est allé à l'enterrement de Mitterrand, de Chirac. C'est un peu le Michel Drucker des présidents. Des bisous, Nico. C'est un Highlander de ouf. Bah, Jacques, il est décédé jeudi. C'est le jour de l'explosion à Rouen. Un ex-président qui s'éteint, une usine qui s'éveille. C'est horrible. Je sais, il ne faut pas faire la pub pour Volvic, mais c'était chaud. Bah, non, parce que moi, en fait, moi, j'étais là-bas à Rouen ce soir-là, frérot. Et c'était incroyable. On a vécu un mini Tchernobyl. Mais à Rouen, c'était un Tchernobyl low cost, un moins Tchernobyl. Rouen, putain. C'est en train de devenir l'Ukraine de la France. Et c'est vrai que Chirac, tu sais, les détracteurs parlent de lui en disant le bruit et l'odeur. Eh ben, Rouen, ils lui ont rendu hommage fort. Frère, eh, l'air, il était intenable. Je savais pas, moi, si je devais annuler mon spectacle. Et, mais vu qu'il y avait des gens qui étaient là, j'ai joué. Tu sais, les flics et les pompiers que je croisais, tu sais, ils me disaient, eh, c'est toxique, mais pas trop. Frangin, ils avaient des masques. Et c'était pas des masques style on va à Halloween ou en mode Ice Watch Shut, on va à une soirée sympa, sympa. C'était des masques, frère. Waouh. Moi, j'avais rien à craindre, t'as vu? T'as vu ce corps? Moi, j'ai jamais été malade de ma vie. J'ai un corps recyclé. Ah, écologiste jusqu'au bout. Les maladies, elles rentrent, elles visitent, elles font, oh, franchement, on va ailleurs. Moi, je pense que le sida, il a peur de moi. Il veut se protéger de moi. C'est horrible. Oh mais non. Du coup, ah, ben oui. Moi, j'ai annulé samedi soir parce que je voulais pas avoir des métastases de spectateurs sur la conscience. Parce qu'en vrai, on sait pas du tout ce qui se passe. Hein. Il va sûrement y avoir un jour une série sur Netflix dans 20 piges. Après Tchernobyl, Rouen. Avec des gens qui vont venir témoigner. Alors, franchement, je sais pas si c'était toxique, mais pas trop. On m'a dit de pas sortir, mais je suis allé voir Chinois Marrant. Frangin, ça s'est passé à Rouen, la ville où ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Ils ont un problème avec le feu là-bas. Je pense que le mec qui a inventé le feu, il vient de Rouen. L'homme de Croix-en-Magnon. Après, tu vois, aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est normal de regarder vers le passé, mais quand je vois le présent, et maintenant j'ai même peur du futur. Hein. Inch Bouddha, on restera là. Donc courage aux pompiers, aux habitants du Nord, et force à vous, les habitants du Nord. Viva Winterfell! Force à toi, Greta! Merci.